Bonjour à tous et bienvenue au deuxième jour de Je reste ici, baby, un caucus intersectionnel du Nord. Merci de vous joindre à nous pour le panel Parce qu'on vient de loin, panel francophone sur l'immigration, commandité par le Centre de santé communautaire de Grand-Sudbury. Je m'appelle Rihanna Brown et je suis l'une des co-présidentes de Black Lives Matter Sudbury. Avant de commencer, nous aimerons souligner que BLM Sudbury est situé à Nisswagamok, connu plus tard sous le nom de Sudbury. Cette terre sur laquelle nous apprenons, travaillons et vivons est située sur les terres traditionnelles des Atikamishing Anishinaabe et de la Première Nation Wanapete sur le territoire régi par le traité Robinson-Huron. Nous souhaitons également reconnaître la présence et l'importante contribution des peuples métis dans notre communauté et sur ces terres. De plus, nous voulons reconnaître que février est le mois de l'histoire des Noirs. Bien que l'oppression, la discrimination et les injustices systémiques ne puissent être réduits à un seul mois par an, il est important de reconnaître que cette période est l'occasion de nous éduquer ainsi que notre famille et nos amis sur les contributions historiques des communautés noires de l'île de la Tortue. Nous aimerons également prendre un moment pour remercier les commanditaires du caucus. C'est grâce à leur générosité que nous continuons à croître et à organiser des événements tels que ce caucus au sein de notre communauté du Nord. Notre modérateur pour ce panel est Moïse Zahoui, le coordinateur des services en immigration au Centre de santé communautaire de Grand-Sudbury. Nos panélistes invités sont Amadou Ba, Mohamed Al-Mendji, Tibila J. Williams-Ndwihi et Gouled Hassan. Bienvenue à tous. Les biographies des panélistes ici présentées et la liste complète de commanditaires du caucus se trouvent dans le programme de l'événement. Nous sommes heureux d'offrir une interprétation LSQ pour chaque panel fournie par le Service canadien de l'UI. À la suite de ce panel, tous les participants recouvrent un questionnaire à remplir et auront la chance de gagner des prix mettant en valeur des créations de notre artiste invité du caucus, Sonia Ekator-Katini. Merci à tous pour votre participation à Parce qu'on vient de loin, panel francophone sur l'immigration. Sans plus tarder, voici votre modérateur, Moïse Zahoui. Mais bonjour à tous et merci d'être présents pour ce panel Parce qu'on vient de loin, qui est un panel composé de personnes issues de la diversité, pour parler des thématiques en lien avec l'immigration francophone. Ok, donc là, je ne suis pas seul dans ce panel, je suis accompagné de plusieurs invités. Je vais commencer à laisser la parole à mes invités de se présenter de manière très brève. Donc, je vais laisser la parole à Gouled Hassan. Bonjour, mon nom est Gouled Hassan. Je suis originaire de Djibouti et membre de la communauté de Sudbury depuis maintenant presque 25 ans. Et je suis membre du contact interculturel francophone de Sudbury. Merci. Merci Gouled. Donc là, je laisse la parole à Mohamed. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Mohamed El-Mendri. Je suis étudiant international venant du Maroc. J'étudie à l'Université Laurentienne actuellement dans un programme en droit et justice, en deuxième année plus exactement. Et je suis activiste au sein de plusieurs associations francophones au sein de la communauté de Sudbury. Merci. Là, je passe à Tibila et après Tibila, on ira à Amadou. Mon nom est Tibila William Sandouidi. Je suis travailleur d'établissement pour les deux conseils scolaires francophones. Je travaille avec le centre de santé de Sudbury. Et je suis panéliste. Et là, c'est Amadou. Ok, je pense que notre intervenant Amadou rencontre quelques difficultés. Amadou, tu nous entends? Est-ce que tu peux te présenter? Donc, bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc, bonjour, je suis Amadou Ba. Présentement, je vis dans l'Ouest Nipissing, entre vers Sudbury. Je suis professeur d'histoire à Nipissing University, enseignant chargé de cours à l'École des sciences de l'éducation et département de sciences politiques à la Laurentienne. Je suis historien, écrivain. Je suis né au Sénégal. Je suis au Canada depuis bientôt plus de 10 ans. Et je suis très content d'être là aujourd'hui avec vous.
OK, donc là, je remercie tout le monde. Moi, c'est Moïse Yahweh, comme ça a été dit. Je suis coordonnateur des services en immigration du Centre de santé et je suis avec vous en tant que modérateur. Donc, ce panel est composé de personnes différentes pour que nous discutions de problématiques en lien à l'immigration. Nous sommes tous issus de diverses origines, même si nous sommes des personnes soit noires ou des personnes racialisées qui sont venues ici. Nous avons dû apprendre l'anglais pour nous intégrer à la vie saberoise. Et dans ce panel, nous avons des questions que nous voulons échanger avec nos différents panélistes. Et déjà, je vais orienter déjà ce questionnaire, puis je demanderai aux panélistes d'être assez précis dans leurs réponses pour permettre que je puisse égrener mon chapelet de questions. Tout premièrement, j'aimerais poser la question à tout le monde. Qu'est-ce qui a attiré, en fait, votre famille ou vous-même à cette vie dans le nord de l'Ontario? Et je passe la parole à Tivila. Merci. Ce qui m'a attiré, moi et puis ma famille ici, premièrement, c'était les études. Je suis venu du Burkina Faso en 2003, pour être précis, le 13 août 2003 que je suis arrivé à Sudbury. C'était dans le but de faire des études. Donc, j'ai poursuivi mes études collégiales et universitaires ici et j'ai commencé à travailler et au-delà de ça, j'ai essayé de fonder ma famille ici dans le nord de l'Ontario. Merci Tibila. La même question serait retirée à Mohamed. Mohamed, qu'est-ce qui t'a attiré dans le Nord? La question est assez complexe en quelque sorte parce que dans le fond, j'étais venu pour étudier, venir étudier sous la volonté de vouloir étudier en français, mais je pouvais très bien choisir le Québec en quelque sorte et ça serait le choix le plus simple à faire. Il y avait aussi un paradoxe de vouloir aussi apprendre l'anglais. Donc là, j'ai jumelé les deux désirs que je voulais acquérir et donc J'ai choisi de venir ici, comme à Sudbury, à l'Université Laurentienne, où on propose des programmes en français, mais aussi il y a la présence anglophone en Ontario en général. Donc, je suis venu, j'habite tout seul, je ne suis pas avec ma famille. Et ça fait exactement 2 ans que je suis là. Et j'ai su en quelque sorte pouvoir étudier en français. C'est ce qui m'a vraiment apporté ici. Merci, merci Mohamed. Goulet, quant à toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans le nord de l'Ontario? Pourquoi est-ce que ta famille et toi, vous avez atterri dans ces murs? Donc, je pense que c'est à peu près le même refrain. Je suis venu ici pour continuer mes études. Quand je devais aller à l'université. Alors, j'avais le choix d'aller dans différentes universités et puis j'ai choisi une communauté que je ne connaissais pas parce que... J'étais très impliqué dans ma communauté à Toronto, là où j'habitais avant de venir ici. Alors, je me suis dit, je vais me concentrer dans mes études et je vais choisir une communauté que je suis pas, qui n'a pas une grande communauté djiboutienne et que je pourrais plus facilement me concentrer sur mes études. Et puis, pendant que j'étais à l'école, j'ai rencontré mon future épouse, qui était une amie à l'époque. Et comme on dit, le reste est l'histoire. Nous avons un petit garçon et puis ça fait maintenant presque 25 ans qu'on habite dans la région. Merci Gouled. Amadou, quant à vous, c'est la même question. Oui, c'est la même question. Donc moi, avant de venir au Canada, d'abord, j'ai quitté le Sénégal en 2000 pour poursuivre mes études en France. Je suis allé, j'ai fait mes études jusqu'au doctorat, mais vers la fin de ma thèse, je me questionnais beaucoup qu'est-ce qu'il fallait faire. Est-ce que vous m'entendez? OK. Donc, un jour, en 2008, je pense qu'il y a des gens qui sont venus du Canada pour recruter des gens qui veulent aller immigrer au Canada, un projet donc, que nous avons bien écouté. À partir de ce moment-là, donc, j'ai fait ma demande. Finalement, je suis venu au Canada en 2009, avec quelques temps à Montréal. Mais je suis venu dans cette région, c'est à travers donc, l'enseignement d'un programme français, je pense qu'il existe encore, qui s'appelle le lycée. Une année, donc c'était pour voir un peu le Canada aussi anglophone, francophone et tout ça. Et j'ai fait une année, puis j'ai vu l'Université Laurentienne, les programmes qu'il y avait. Après, j'ai fait mon baccalauréat en enseignement pour avoir ma certification, etc. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à donner des cours à l'école des sciences, au département du Toronto. Et puis après, je travaille aussi dans les écoles en tant que suppléant. Et progressivement aussi, j'ai commencé à donner des cours à Nipissing University. Donc, au fil du temps, je suis ici donc, avec ça. Voilà, je suis père de 3 enfants aussi. Merci.
Merci. Donc, je pense que dans l'ensemble, on a compris que c'est plutôt des raisons spécifiques qui ont envoyé chacun de nous ici dans le nord de l'Ontario. Je vais vous poser une question qui, cette fois-ci, va. C'est une question redondante qu'on entend très souvent. Et comment est-ce que vous décrivez votre première année au Canada? Et puis là, je demanderai aux panélistes de respecter l'intervalle de. On se donne comme 2 minutes pour répondre, de ne pas dépasser ça. Donc, je commencerai cette fois-ci par Mohamed. Donc, oui, votre question, c'est comment vous décrivez comme... votre première année au Canada? Oui, bah, en général, je dirais que ce n'est pas facile d'immigrer, en général. Que ce soit pour les études, pour travailler, ce n'est pas facile d'immigrer et de venir dans un nouveau pays qu'on ne connaît pas. Je dirais que c'était les premiers mois n'étaient pas faciles, surtout pour s'intégrer au sein de la communauté, comprendre la complexité de la multiculturalité au Canada, de la diversité des personnes présentes au Canada, de connaître l'histoire du Canada. Ça, sur ce plan-là, c'était vraiment pas facile. Mais ensuite, ça s'est fait concrètement, avec fluidité, au bout, je dirais, de ma première année. Ça s'est fait tout seul, surtout grâce à l'intégration au sein de la communauté étudiante et aussi grâce aux professeurs, grâce aux différentes personnes que j'ai pu rencontrer durant ma première année. Je vous remercie. Et là, je demanderai la même question à Tibila. Tibila, ta première année, comment est-ce que tu l'as décrit au Canada? Ben, je l'ai décrit comme étant, ça a été une très belle expérience. C'est comme aller de loin, tu ne te prépares jamais suffisamment. Et quand je suis arrivé au Canada, puis au Collège Boréal, j'ai rencontré un monde merveilleux. J'ai rencontré des personnes qui étaient vraiment merveilleuses, qui nous a pris sous leur aisselle. On a mis en place des associations pour les élèves qui s'appelaient en ce moment le Club interculturel Tam Tam. Et j'en ai même été le président pendant 2 ans. Donc, cette structure associative plus le personnel qui était là, qui était plus sensibilisé par rapport aux difficultés que les immigrants peuvent rencontrer, nous a facilité beaucoup notre intégration dans la communauté de Sabou. Merci à toi, Sibylla. Alors, je passerai la parole à Amadou. Amadou, ta première année concrètement au Canada, comment est-ce que tu pourrais la décrire? Alors, ma première année a commencé, comme j'ai dit, en janvier 2009 à Montréal. Quand je suis arrivé, bon, je suis venu avec la dynamique. Peut-être que les choses sont beaucoup plus ouvertes au Canada, tu vas travailler, tout ça. Mais j'ai fait 6 mois à Montréal. Effectivement, je travaillais un peu dans les archives, dans la bibliothèque sur la rive Vigée à Montréal. Mais après 6 mois, je suis retourné en France parce que je n'avais pas encore finalisé ma thèse. Et puis, je me questionnais sur certaines nombre de choses. Je suis retourné aussi un peu au Sénégal pour voir les perspectives. Ensuite, donc, je suis arrivé à Sudbury. Une fois à Sudbury, donc, en plus de l'enseignement que je faisais, je me suis vraiment rapproché de la communauté francophone, hein, diversifiée ici, à travers, d'ailleurs, je me rappelle à l'époque, le Centre franco-ontarien de folklore, mais il y a divers organismes également. Le but, c'était de m'imprégner dans la communauté, de mieux connaître la communauté canadienne, surtout qu'à l'époque, je n'étais pas encore familier avec la langue anglaise. Donc, je voyais que nous sommes dans une ville quand même où il y a une bonne présence francophone et l'image que j'avais avant de venir, ce n'était pas cela. Donc, progressivement, j'ai commencé à faire mon petit chemin ici à Sudbury, donc dans le nord de l'Ontario. Donc, Amadou, donc, si on peut bien comprendre, ta première année était très, très incertaine et puis plein de confusion, c'est ça? Oui, ma première année, ce n'était pas très clair, puisque j'avais 2 choses. La première, c'est que je n'avais pas fini ma thèse d'abord, il fallait finir, mais est-ce que je devais retourner au Sénégal, je vais rester en France, je devais venir au Canada. Les choses n'étaient pas très claires dans ma tête, mais comme il fallait travailler aussi, pour ne pas finir ses études seulement et rester là sans rien faire, dès que j'ai eu ce programme-là, ça m'a amené à Sudbury. Une fois que je suis arrivé ici, dans cette région, progressivement, les choses se sont faites toutes seules. Merci. Donc, je finirai cette fois-ci cette question par Goulet. Goulet, de ta première année, ça, c'est quelque chose qu'on a bien envie d'entendre et de savoir. Donc, c'est comme Mohamed l'a dit, ce n'est jamais facile de déménager dans une nouvelle région. Ça vient avec plusieurs défis. Et puis, c'est toujours difficile de partir de quelque part où on a toujours été majoritaire.
et de se retrouver dans un contexte minoritaire. Et dans mon cas, c'était minoritaire à trois niveaux. J'étais minoritaire en termes racial, j'étais minoritaire en termes religieux, j'étais minoritaire en termes linguistiques quand j'étais arrivé en Ontario. Donc, c'était très difficile de vivre à Toronto et d'être une langue francophone. Ça vient avec plusieurs défis. Mais heureusement, il y avait une communauté qui nous a accueillis. Et vivre à l'intérieur de cette communauté a un peu facilité le processus d'adaptation et de compréhension du système et comment les choses fonctionnent. Mais la première année, je peux dire que c'était une année très difficile, une année où on finit par se questionner et on finit par douter ses propres compétences et ses propres acquis. Donc, c'est très difficile comme première année. Voilà, donc je vois que déjà le décor se présente et là, la question que je vais vous poser maintenant va vous permettre de mettre le pied dans le plat. Et là, c'est une question très pertinente. Quels ont été les défis auxquels vous avez dû faire face? Et là, je repose cette question à Mohamed. Mohamed, concrètement, dans ces difficultés dont vous parlez, quels sont les défis auxquels vous avez dû faire face? Et puis là, comme je l'ai dit, respectons le temps parce qu'il ne nous reste pas assez de temps. Mais soyons précis, puis nommons-les clairement. Merci beaucoup. Oui, Moïse. Pour les défis, je dirais que c'est plutôt des défis quotidiens auxquels nous sommes tous confrontés, je pense, quand on arrive et qu'on parle surtout français. Donc, à l'arrivée, on comprend qu'il y a une minorité francophone, mais elle n'est pas visible. Donc, juste monter au bus au quotidien et comprendre que la personne qui conduit le bus ne parle pas français, ça, ce n'est pas quelque chose qui nous réconforte. Donc, je dirais que c'est des petits défis qui entraînent vers une petite crainte de se retrouver devant une situation où on ne peut pas contrôler ce qu'on voudrait comme ce qu'on veut en quelque sorte de la personne. Donc, en quelque sorte, c'était ces petits défis-là. Et ensuite, c'était aussi le défi de retrouver cette communauté francophone dont mon camarade Amadou parlait tantôt. C'était ça les deux difficultés que j'ai remarquées, des petites difficultés quotidiennes et une difficulté de retrouver la communauté francophone au sein de Sainte-Beuve. Merci Mohamed. Quant à toi Tibila, quelles ont été les difficultés essentielles pertinentes? Les difficultés, c'est toujours la langue parce que quand tu arrives, oui, on étudie en français, mais dans la communauté, elle est plus anglophone. Et il y a le défi de l'emploi parce qu'il faut être au moins capable de se débrouiller dans les deux langues pour travailler. Il y a aussi le défi du réseautage parce qu'en ce moment, il n'y avait pas un monde très, très coloré à Sudbury. Donc, c'était entre étudiants et puis c'était quelques étudiants racialisés à l'université ou bien au Collège Boréal. Et c'est ça qui a constitué la majeure partie des défis qu'on rencontre ici. Merci. Et quant à toi, Amadou? Oui, c'est à peu près les mêmes choses, hein, finalement. Donc, c'est comment s'adapter dans un nouveau environnement qu'on ne connaît pas. Il y a les défis de la langue. Mais bon, comme je dis, moi, quand je suis arrivé, quand j'ai vu qu'à Sudbury, dans la région, il y avait la communauté francophone, déjà, je ne m'attendais pas beaucoup à ce que j'avais vu. Ça m'a beaucoup réconforté, déjà. Et puis, les autres défis, je les ai travaillés moi-même pour être en mesure de m'exprimer, de dire ce que j'ai besoin en anglais, etc., etc. Alors, les défis, c'est surtout aussi de créer des réseaux, finalement, où est-ce qu'on retrouve, à qui parler, véritablement, dans ces moments aussi, on se sent un peu pas très bien dans son environnement et tout. Des défis d'emploi également, hein, c'est pas facile de trouver du travail, notamment dans ton domaine, etc. Mais je crois qu'avec le temps, on finit toujours par s'adapter, hein, on s'adapte et puis on oublie ces moments-là et à la longue, on devient quelqu'un de la région, quelqu'un du pays et puis finalement, je pense qu'on a réussi à passer un certain nombre de défis. Et ce qui importe aujourd'hui, c'est de vivre et puis apporter sa contribution pour sa région, pour sa communauté, pour son pays finalement. Donc, c'est ça qu'on regarde plus aujourd'hui. Merci beaucoup, Amadou. Et tant à toi, Gouled. Donc, je vais pas retourner sur ce que les collègues ont déjà parlé, qu'il s'agit de langue et tout ça. Mais il y a aussi tout un
tout un aspect qui n'a pas encore été traité. Il s'agit du racisme, de la discrimination qui existe au sein de la communauté. Et puis, c'est tout à fait normal qu'on vienne dans une région qu'on est complètement différent de la communauté d'accueil. Il vient certains préjugés et puis certaines discriminations. Et ce genre d'affaires, spécialement quand on est un jeune adolescent, et c'est ça que j'étais, un jeune adolescent, ça finit par avoir des impacts un peu plus importants dans la vie. On finit par se questionner son choix, questionner la façon dont on est accueilli, et puis qui on est. Et ça peut jouer beaucoup sur notre estime de soi et sur la façon dont on participe et qu'on réussit. Alors, c'est ça que j'aimerais ajouter. Ce sont des défis auxquels la communauté fait face, et puis c'est des vraies questions. Et puis là, je te remercie, Gouled, et puis vu que tu as ouvert le bal, je poserai la question aussi aux autres. Quels sont les obstacles systémiques ou structurels auxquels vous avez dû vous heurter, qui ont rendu difficile votre intégration? Et là, j'oriente la parole à Mohamed. Oui, pour les obstacles systémiques, je dirais que c'est plutôt une priorité anglophone, c'est ça. C'est la majorité anglophone. Mes places à une priorité anglophone, c'est que en quelque sorte, au sein des services en général, parfois nous avons besoin d'avoir accès à des services en français. Comme quand je vais à quelconque service, juste au supermarché, parfois il y a pas une personne qui va nous rendre service en français. Donc ça sera plutôt, il faudra attendre qu'une personne en français vienne répondre à notre besoin. Donc c'est plutôt, je pense que c'est justement cette barrière et cet obstacle linguistique. D'accord, merci Mohamed. Et quant à toi, Tibi, la question les obstacles systémiques ou encore structurels que tu as dû rencontrer? Ben, les obstacles structurels et systémiques que j'ai pu rencontrer, c'est venu plus tard. Et je donne un exemple. Je me suis retrouvé en cours de famille pour la garde des enfants. Et un avocat m'a dit en cours, je parle dans la salle d'audience, Tibila, tu es un noir, tu es un immigrant, va-t'en chez toi. Et si tu t'amuses avec moi, je vais te faire traîner, je vais te faire pourrir en justice, en prison. Et n'étant pas satisfait de ça, j'ai voulu porter la question auprès du juge qui présidait la séance. Et le juge m'a répondu, nous ne sommes pas ici pour ça. Et après ça, j'ai posé une plainte au niveau du tribunal de droit de la personne. Et le tribunal de droit de la personne m'a répondu en rejetant ma plainte comme quoi ce n'est pas leur responsabilité et ça ne relève pas de leur compétence. OK, j'ai posé la même plainte auprès du barreau du Haut-Canada qui s'occupe des avocats. Et là, ça fait, je dirais, à peu près 4 ans que la plainte est là-bas. Et quand j'ai appelé pour faire le suivi, la personne m'a dit, si tu appelles ici encore pour le suivi de ce dossier, je le considérerai comme si c'est du harcèlement et j'appellerai la police sur toi. Wow. Donc, voilà, je ne dirais pas, il n'y a pas plus pour matérialiser ou bien pour décrire le racisme plus que ça. Donc, voici des éléments. Il y a plein d'exemples, mais je m'arrête là. Merci beaucoup, Tibila. Donc, on peut résumer que tu t'es heurté vers un mur raciste. Oui, un mur systémique. Parce que c'est pas des. Si c'était des individus dans la rue qui m'en a parlé, oui, je pouvais comprendre. Mais qu'un homme de loi qui est censé connaître et défendre les intérêts de tout le monde et que ça se passe à l'intérieur d'une salle d'audience au tribunal, c'est incroyable. Et quand on pose la question au niveau du tribunal de droit de la personne, ouais, et qu'ils disent que ça ne relève pas de leur compétence, ça c'est encore un double choc. Oui. Et que c'est incroyable, oui.
C'est ça. Ben, je te remercie, Thibert, parce que ton histoire est très intéressante, mais comme je le dis encore une fois depuis, je suis désolé auprès de tout le monde, nous sommes pris par le temps. Donc, vraiment, je te remercie pour cette histoire pertinente. Je vais orienter la question vers Amadou. Amadou, quant à toi, quels sont les obstacles systémiques et structurels auxquels tu as dû faire face? Je crois que les obstacles auxquels j'ai fait face, c'est sûrement choses qui m'ont précédé ici aussi et peut-être que choses qui vont arriver aussi après moi ont eu. C'est le manque de préparation parfois de la communauté d'accueil où elle n'est pas suffisamment préparée à mieux comprendre les gens qui arrivent. Je pense qu'il y a d'autres niveaux. C'est vrai que les immigrants qui arrivent et qui s'installent ont un effort à faire pour comprendre le pays d'accueil et les populations afin de mieux s'intégrer. Mais tout seuls ne pourront jamais le faire. Donc, il me semble qu'on arrive dans des pays où on est au milieu de certaines personnes qui ne font pas l'effort de nous comprendre, parfois qui traînent des regards, des préjugés, des perceptions. Et cela se reflète et ça nous porte beaucoup préjudice pour trouver le travail que nous méritons. Parfois, on est victime d'intolérance dans certaines choses, des petites choses qui arrivent, on prend ça au maximum. Véritablement, il y a un certain travail qui n'a pas été fait pour préparer, parce qu'on veut faire de notre région, de notre province, de notre pays, des lieux d'accueil pour des gens qui viennent un peu partout dans le monde. Et il me semble qu'un travail destiné à la société d'accueil pour aussi aider à mieux comprendre les gens qui arrivent, pour rompre cette histoire qui quand même a créé des différences, des gens qui se pensent supérieurs aux autres, des autres qui se pensent inférieurs aux autres. Énormément de travail qui n'a pas été fait. Et ça, les immigrants le vivent, parfois tout seuls, sans savoir à qui parler, à qui s'adresser, victimes parfois même de, comme le rappelle notre ami Tibila, ça c'est véritablement, voilà quelqu'un, on le fait courir tout simplement que tu rentres chez toi. Pourtant, c'est un Canadien comme tout le monde, il a sa citoyenneté, il vit ici, il contribue. Au nom de quoi ce juge-là serait plus Canadien que Tibila? Moi, je comprends qu'il y a des notions aujourd'hui qu'on ne traite pas et qui font en sorte qu'il y a des gens qui abusent tout simplement. Et nos institutions sont très en retard également par rapport à la réalité que nous vivons aujourd'hui. Donc finalement, moi, les défis vont dans le sens assez général que les immigrants arrivent, qu'ils soient de la communauté noire ou bien d'autres régions du monde. Donc j'aimerais bien que dans notre région, il y ait suffisamment de structures qui préparent les populations d'accueil aussi pour mieux intégrer les immigrants. Et puis là, l'intervention de Amadou me replonge encore à réorienter la question à Tibila. Tibila, oui, pour avoir vécu toutes ces choses, je poserai la question juste parce que je réalise que le temps aussi nous est imparti, et quand même là, il peut permettre de poser cette question. Comment est-ce que tu t'es senti au travers de tout ce charabia, sinon ce charabia? Non, mais il n'y a pas de... Je veux dire que je l'ai vécu seul. J'ai vécu le problème seul dans la mesure où ce n'est pas des individus hors du commun qui m'ont traité ceci. C'est le système. Là où je devrais aller me référer pour avoir justice, c'est cette structure-là qui m'a rejeté, qui m'a mis dans des conditions, qui m'a parlé ainsi. Il n'y avait pas plus un endroit plus indiqué que à la justice que de se retourner vers la justice pour obtenir une réponse. Mais le fait même se sont produits dans la cour de justice, dans la salle d'audience. Et tu te réfères au tribunal de droit de la personne qui est censé protéger tous les Canadiens et ils te rejettent pour dire que non, ce n'est pas de leur compétence. Et quand tu te réfères à la structure qui s'occupe des avocats au barreau du Haut-Canada. Et après 3 ans, tu appelles pour faire le suivi de ton dossier et on te dit que c'est du harcèlement et que si tu appelles encore, on va envoyer la police sur toi comme quoi tu harcèles leur structure. Mais vous voulez que tu te réfères à qui? Aucune organisation communautaire prend en charge tous ces phénomènes. Et parler individuellement à un ou une personne, c'est grave. J'ai même demandé en son temps à rencontrer le député provincial et je ne l'ai même pas pu. Je n'ai même pas pu rentrer dans son bureau. Ouais. Merci beaucoup, Tibila.
Et donc là, je vais passer la parole à Goulet. Goulet, oui, ben, c'est ça, les autres ont beaucoup parlé de beaucoup de choses, mais oui, selon toi, quels sont ces obstacles structurels et ben, systémiques auxquels tu as dû te heurter ou tu as vu des gens se heurter? Donc, ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être aussi ouvert, comme Tibila l'a vécu, c'est-à-dire quelqu'un qui lui dit ouvertement de retourner chez lui et qu'il n'a aucune affaire dans la garde de ses propres enfants. Mais ça peut être quelque chose d'aussi masqué que, par exemple, quelqu'un qui vous dit que vous parlez bien pour un noir ou bien vous êtes assez intelligent pour quelqu'un de votre race. Donc, ce n'est pas toujours aussi ouvert le racisme que l'on vit. Des fois, c'est, et puis surtout au Canada, c'est un racisme qui est bien poli et bien présenté, si jamais je peux m'exprimer de la sorte. Mais ça a des impacts aussi négatifs qu'un racisme ouvert, que ce soit dans le domaine d'éducation, que ce soit dans le domaine pour avoir de l'emploi ou n'importe quel autre domaine. Par exemple, le fait que des fois on se sent seul et isolé, comme Tibila se sentit face à ce genre de racisme, c'est pas nouveau, malheureusement. Et puis, l'idée, le problème, c'est un des grands problèmes, c'est qu'on le vit chacun de notre côté. Et je pense qu'on doit commencer à avoir des ressources et puis se regrouper pour pouvoir avoir des réponses communes à un problème commun que nous sommes tous en train de vivre. Oui, merci. Merci beaucoup, Gouled. Je vois, Mohamed, tu voulais ajouter quelque chose, il me semble. Je peux voir ton allure très sérieuse. Oui, exactement. Le cas que Tibila a vécu, comme c'est pas quelque chose de normal. Comme il faut bien l'appuyer, c'est pas quelque chose de normal. Et quand on a un juge, c'est il représente l'institution de la justice en quelque sorte, le ministère de la justice ou bien la justice en général, c'est pas quelque chose de normal de voir cela. Donc, il a aussi eu tendance, peut-être ce juge-là, à sous-évaluer la plainte de Tibila et c'est pas au nom de la liberté de Tibila, au nom de ses droits, normalement, ce genre de choses ne doit pas se dérouler de cette sorte. Merci beaucoup, Mohamed. Et là je relance la parole aux panélistes parce que je me rends compte que c'est un sujet très important. Et puis moi, je pourrais me permettre, même en tant que modérateur, d'ajouter que moi, arrivé ici, j'ai été vraiment frappé du fait que la difficulté déjà de ne pas pouvoir s'exprimer correctement qui est due à la méconnaissance de la langue anglaise. Et puis encore, je dois mentionner que pour moi, la langue française n'est pas une langue, c'est pas ma langue maternelle. C'est une langue pas de choix. Pour moi, ça n'a pas été une question de choix. C'était une langue qui m'était imposée parce que je l'ai eue héritée qui venait du colonialisme de mon pays. Et donc, moi, arrivé ici, ayant toutes mes facultés mentales, étant capable de raisonner, j'avais de la difficulté à m'exprimer. Et j'étais quand même surpris du fait que les gens avaient tendance à généraliser que les Noirs étaient soit sous-éduqués ou des gens pas capables de faire des analyses assez conséquentes. J'étais quand même un peu surpris du niveau d'éducation de la population que je trouvais très sous-éduquée parce que c'était vraiment des difficultés qui m'étonnaient parce que les analyses n'allaient pas dans le sens de se mettre dans la position de celui qui est là et puis... J'ai même dû demander à quelqu'un, est-ce que vous avez déjà voyagé? Il m'a dit oui. Je lui ai demandé, être dans un pays dans lequel on ne parle pas votre langue? Il m'a dit oui. Je lui ai demandé, comment est-ce que vous avez passé votre première commande au restaurant? Et là, j'ai ouvert son esprit. C'est ce jour qu'il a compris qu'il avait en face de lui un être pensant, capable de raisonner et de réagir. Donc moi, c'est vraiment ce genre de choses auxquelles j'ai été confronté, mais c'était quand même pénible. Mais grâce à l'appui que j'ai pu avoir, je peux dire qu'on est passé au travers et puis on essaie de changer les choses. Donc, en fait, ça, c'était une des questions c'était une question qui me passionnait et que j'avais voulu répondre. C'est vraiment un peu ça, ce que moi, j'ai pu vivre. Et puis là, je poserai une question maintenant à nos panélistes. Et puis, je demande encore à Cécilia s'il y a des questions dans le Zoom ou dans le chat, si je peux avoir accès à ces questions, ça va être vraiment très intéressant parce que nous avons pas mal de temps devant nous. Il y a une question dans le Zoom à Moïse. Ok, donc Goulet, tu la vois parce que moi je peux te la lire. Ça dit, merci beaucoup d'avoir cultivé une si belle discussion. De quelle manière les alliés de la communauté française
peuvent-ils soutenir le processus d'immigration et l'expérience de nouveaux arrivants dans nos communautés du Nord? Absolument. Et puis, vu que tu as lu la question, ben, je vais l'orienter vers toi. Et bien, à partir de cette question, on va faire un tour de table pour vraiment donner notre intervention là-dessus. Oui, vas-y, Goulen. Donc, la première chose que je dirais à la personne, c'est merci beaucoup d'avoir d'abord posé la question. Et la deuxième chose que je vais dire, c'est des fois, les mots qu'on utilise ont une importance de la façon dont on peut la répondre. Et ici, il y a un mot qui me dérange parce que ça fait que ça n'encourage pas une inclusion communautaire. Et ce mot-là, c'est le mot « la communauté française ». Moi, je peux vivre en Ontario autant que je voudrais vivre en Ontario. Je ne serai jamais membre de cette communauté française parce qu'il reste toujours qu'être français vient avec quelque chose d'autre. Mais ce que la personne voulait dire, je suis sûr, c'est la communauté francophone qui est complètement différente de la communauté française. Parce que je me sens membre de la communauté francophone, mais pas nécessairement de la communauté française. Donc, pour répondre maintenant à la question, après avoir soulevé ce point-là, je pense que il est important, la première chose, c'est qu'il est important de comprendre que comme toute autre personne, les nouveaux arrivants, les immigrants, viennent avec tout un bagage, que ce soit un bagage culturel, sociologique, humain, et on a tendance dans nos communautés à regarder l'immigrant dans un contexte uni, c'est-à-dire dans un contexte de nouveaux arrivants ou dans un contexte de personnes qui viennent chercher des services ou emploi, des choses comme ça. Et puis, on oublie tout l'aspect global de cette personne-là. Donc, si jamais on veut vraiment aider les nouveaux arrivants, il faut dépasser l'aspect de... unique et regarder l'humain d'une façon holistique. Et si jamais on est capable de faire ça, je pense qu'on sera capable de mieux comprendre l'individu et de mieux l'aider à réussir dans la communauté. Parce que on est tous plus qu'un seul côté de ce qu'on fait dans la vie. Merci Goulet. Donc, je vais relire la question pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, c'était merci beaucoup d'avoir cultivé une si belle discussion. De quelle manière les alliés de la communauté française peuvent-ils soutenir le processus d'immigration et l'expérience des nouveaux arrivants dans nos communautés du Nord? Donc, Goulet l'a rectifié, c'est certainement une personne qui sous-entend la communauté francophone. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Je lance la parole à Mohamed. Je pense que pour aider la communauté francophone, c'est quelque chose qui va se faire de deux côtés. Qui va se faire d'abord ici au Canada et qui va se faire aussi du côté du pays exportateur. Donc, en quelque sorte, c'est d'abord la société civile doit être consciente et qu'elle ait une volonté d'accepter cette communauté-là et de l'accueillir dans les meilleures conditions, et se préparer mentalement, comme mon camarade Hassan Gouled l'a défini. Et ensuite, c'est à l'autre personne, c'est un effort individuel qu'on doit faire. Essayer de se connecter. Nous sommes dans un contexte de mondialisation, les réseaux sociaux. Il faut essayer de trouver les bons moyens pour pouvoir s'intégrer le plus facilement possible. Merci Mohamed. Tibila, dans ton sens, comment est-ce que la communauté francophone pourra soutenir et appuyer ce processus d'immigration et l'expérience des nouveaux arrivants dans le Nord? Ben, moi, je pense que tout passe par la communication. Tant que la communauté francophone elle-même n'est pas sensibilisée par rapport aux immigrants qui arrivent, ça sera difficile pour eux d'être capables de soutenir n'importe quelle initiative. Donc, moi, je pense qu'il faut sensibiliser la population. Je me rappelle quand j'étais au collège, il y a une dame que je donnais du tutorat et elle m'a posé la question, Tibila, si je te pose une question, est-ce que tu vas te fâcher? J'ai dit non. La dame m'a répété la même question pendant une semaine. Et à la septième jour, elle m'a dit, la question est la suivante. Ma grand-mère m'a dit que si au Canada, il y avait un manque de charbon, c'est les Noirs qu'on va brûler pour chauffer les maisons. Et je me dis que cette dame
ou bien cette vieille dame, elle est complètement ignorante. J'ai juste répondu à sa fille que malheureusement pour elle, on n'utilise plus le charbon au Canada pour chauffer les maisons. Donc, mais c'est pour dire à quel point cette dame avait aussi des idées préconçues parce qu'elle a reçu ça de sa grand-mère. Malgré que j'étais son tuteur en mathématiques et autres, il y avait toujours des préjugés comme quoi je n'étais pas capable de transmettre une éducation à quelqu'un. Vous voyez. Donc moi, je pense que ça part de la sensibilisation. Il faut que les organisations francophones soient plus fortes et plus représentatives. Je peux dire, depuis que le cas de George Floyd a commencé, je n'ai pas vu une structure francophone dans le Nord prendre les devants à part l'organisation Black Lives Matter. Et moi, je pense que c'est des occasions qu'on manque pour nous exprimer. Parce que je me sens faisant partie de cette communauté francophone et que nos structures représentant les francophones devraient être de l'avant-garde parce que nous sommes victimes doublement. Nous sommes victimes parce que nous sommes une minorité. Nous sommes victimes parce que nous sommes peut-être racialisés. Nous sommes victimes parce que nous, au niveau linguistique, nous sommes aussi la même chose. Donc, moi, je pense qu'il faut une organisation forte pour qu'un standard pour les organisations communautaires francophones qui nous représentent valablement, et il faut une communication et une sensibilisation de la communauté, non seulement francophone, mais toute la communauté en général. Merci beaucoup, Tibila. Et là, je retourne la question à Amadou. Amadou, à ton sens, comment la communauté francophone peut-elle soutenir le processus d'immigration et appuyer l'expérience des nouveaux arrivants dans le Nord? Oui, c'est une très bonne question. Mais pour répondre à cette question, il faut d'abord que les gens qui veulent s'impliquer essaient de comprendre pourquoi, que ce soit les immigrants francophones ou d'autres, pourquoi ils viennent au Canada. Qu'est-ce qui les amène ici? Alors, parmi les nombreuses réponses qu'on peut donner, il y a d'abord le fait que, pendant très longtemps, dans notre pays, le Canada, l'immigration dont on a toujours voulu, dont on a toujours rêvé pour peupler le Canada, c'était l'immigration européenne, blanche, chrétienne, pendant très longtemps. Ça, l'histoire nous le montre, on a beaucoup de sources pour l'appuyer. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les choses vont changer. L'Europe a besoin de se reconstruire. Il y a beaucoup de main-d'œuvre, de travail qu'on fait. Et puis, l'Europe n'envoie pas véritablement beaucoup de migrants au Canada ou ailleurs dans le monde. Donc, les Européens sont pratiquement restés en Europe pendant cette période-là. Et là, le Canada va commencer à vouloir s'industrialiser, s'ouvrir, etc., etc. Et là, on va miser également sur l'immigration. Donc, vous voyez, nous sommes dans un cadre d'immigration économique, de reconstruction. C'est dans ce contexte, d'ailleurs, que beaucoup de Caraïbes vont venir travailler comme domestiques, etc. Et l'autre élément, c'est aussi dans les années, donc après ces 30 glorieuses-là de reconstruction, dans les années 70-80, le Canada va s'ouvrir, la Charte canadienne des libertés, le multiculturalisme, etc. Donc finalement, l'immigration ségrégationniste et tout, elle est pratiquement finie. Nous sommes dans une immigration du libéralisme économique. Alors, pour sauver l'économie, pour redynamiser le marché, pour développer le pays, il faut amener des immigrants. Donc là, il y a toute une hypocrisie qui entoure l'immigration, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les immigrants sont venus pour encore créer plus de problèmes au pays, alors que la majorité d'entre eux sont venus parce qu'on a voulu qu'ils viennent pour travailler, pour contribuer, pour vivre, etc., redynamiser l'économie. Oui. Un exemple très clair dans notre région du nord de l'Ontario, je prends le cas de Hearst, où l'université de Hearst, nous avons pratiquement plus de 65% des étudiants qui sont originaires d'Afrique, pratiquement d'Afrique francophone. Et qu'est-ce qui se passe? C'est en train de redynamiser cette ville-là. C'est vrai que nous sommes dans un contexte de pandémie, mais avant, on a vu des immigrants travailler dans les restaurants. Finalement, la ville commençait à bouger un peu, alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Donc, simplement pour dire que l'immigration, c'est très bénéfique pour les pays développés. Et ces pays-là se sont construits beaucoup sur l'immigration. Une fois de plus, il faut comprendre qu'il y a une forte demande. Et surtout dans des contextes où nous sommes dans des pays où le renouvellement ne se fait plus par les populations, par la natalité, elle se fait de plus en plus par l'immigration. Les taux de natalité des pays développés, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, c'est très faible.
L'autre aussi élément, c'est que nous sommes dans un pays qui met en avant les valeurs humaines, les valeurs humanistes. Et il y a beaucoup de ces immigrants qui sont des réfugiés. Le Canada reconnaît la charte, donc, une minute, OK. Donc, en fait, c'est simplement pour compte, je ne vais pas encore détailler, aller beaucoup dans le dans non, les non, détails. Non, ce n'était pas que je vous donnais une minute, mais je me l'ai dit, oui, quel est le parallèle entre, tu vois, parce que je sais que tu... Donc, le parallèle, c'est d'abord que les gens comprennent que ces immigrants-là, ils ont besoin qu'on travaille en symbiose ensemble pour l'intérêt donc, de notre province, de notre pays, mais surtout quand on parle du contexte francophone, moi, j'ai simplement envie de dire que si on veut véritablement sauver la francophonie dans notre région, dans notre province, on doit surtout compter sur la francophonie à l'extérieur du Canada et surtout africaine. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui, où, quand on parle de francophonie, on parle d'abord à l'Afrique. Plus de 200 millions de personnes francophones en Afrique. En Europe, on n'a même pas 70 millions. En Amérique du Nord, on n'a même pas 10 millions. Et ces gens qui arrivent aussi vont redynamiser la francophonie. Ils sont dans les écoles, ils sont dans toutes les structures, ils travaillent. Donc, vous voyez un peu... C'est une alliance, c'est des partenaires avec qui on doit travailler, s'ouvrir, être français, canadien, au 19e, 20e siècle, ce n'est plus la même chose qu'aujourd'hui. Moi, je me sens pleinement canadien, français ici, je suis francophone, je suis dans les structures et je travaille avec cette langue et donc je fais partie de cette communauté-là. Et je vois aussi que les immigrants qui s'arrivent le font. Merci. Merci beaucoup à toi et je pense de toi à Mohamed. Oui, Moïse. Oui, c'est la même question. Oui, pour ce point de vue-là, au niveau du développement, au niveau de la manière que les personnes pourraient comme, accueillir la communauté francophone, c'est... Oui. Oui, j'appuie en quelque sorte que c'est la société civile dans son ensemble, les associations, les personnes, les familles, la communauté francophone en général. Il y a des francophones déjà qui sont présents ici au nord de l'Ontario qui doivent appuyer cette immigration. Merci beaucoup. Et là, on passe à une deuxième question qui nous vient encore du public. Et cette question dit, à part les enjeux linguistiques, quelles sont les différences culturelles qui ont marqué votre intégration dans le Nord? Et puis, la question s'oriente à chacun d'entre nous. Je commencerai cette fois-ci par Tibila. Ben, à part ça, c'est comme dans toutes les sociétés, les cultures, quand vous vivez dans un multiculturalisme, c'est différent. Et ce que les médias nous ont projeté aussi, elle est différente. Je me rappelle quand avant que je n'arrive ici, nous tous, on a suivi les films cowboys à la télé, où on chassait les autochtones, les Indiens en son temps. On voyait que c'était les Blancs qui brûlaient les maisons des Indiens, ou bien des Indiens qui étaient toujours maltraités d'une manière ou d'une autre. Donc, on nous a présenté des préjugés, des stéréotypes qui étaient là. Et quand je suis arrivé ici et j'ai travaillé dans des institutions éducatives, j'ai été obligé d'organiser une sortie dans une réserve autochtone ici à Wikimekan pour que les étudiants puissent voir comment les gens dans une réserve vivent. Et la réalité était autre. Nous avons eu un accueil chaleureux. On a même fait la chasse ensemble. On a fait du barbecue avec les produits de la chasse. Ouais. On a fait un partage communautaire. Donc, ça, ce sont des trucs culturels qui marquent aussi. Donc, ce qu'on avait vu et ce qu'on a vécu dans la réserve était complètement différent. Et même ici, dans la communauté, à Sudbury ici, bien que les populations vivent côtoient les réserves ou bien côtoient les peuples autochtones et ainsi de suite, ils sont toujours stigmatisés, comme nous, les immigrants qui viennent d'ailleurs. Donc, ça, c'est pas... Moi, je parlerai ici, c'est la culture du pouvoir. Okay. La culture des privilèges. Donc, ça veut dire que la communauté blanche a déjà établi un certain nombre de pouvoirs, un certain nombre de privilèges culturels économique, ainsi de suite, qu'ils cherchent à protéger. Donc, sinon, il y a des réserves, il y a des autochtones ici qui rencontrent les mêmes difficultés, que ce soit avec les institutions, la police, la justice, ainsi de suite, comme les immigrants qui viennent d'arriver, qui rencontrent les mêmes difficultés. Merci, donc, Tibila. Et c'est un groupe, une communauté blanche qui détient ce pouvoir et qui la distribue quand ils veulent et quand ils ne veulent pas.
Merci. Et Amadou, quant à toi, c'est quoi ces différences culturelles que tu as dû remarquer en Ontario? Bon, les différences culturelles que j'ai remarquées, c'est celles que j'ai trouvées aussi, hein, parce que je suis dans un pays où pratiquement tout est différent. Hein. Même les gens que j'ai trouvés ici, ils n'ont pas les mêmes cultures, ils n'ont pas les mêmes religions, ils n'ont pas les mêmes histoires. Alors donc, ma différence culturelle est venue s'ajouter à ces différences-là. C'est vrai que, il faut s'adapter également dans des régions où tu arrives et que tu es en contexte de minorité. Mais quand même au Canada, je crois qu'on peut exercer bien sa liberté culturelle, etc. Donc, c'est quand même, malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui, un pays quand même qui est en avance sur beaucoup d'autres pays dans le monde. Nous sommes là pour parler, pour améliorer, pour parfaire les choses, mais le Canada est loin d'être le dernier des derniers. On connaît beaucoup de choses dans le monde qui se passent. Ça ne se passerait jamais, jamais au Canada. Alors, donc, les différences, peut-être, dans le domaine linguistique, culturel, religieuse, toutes ces choses-là. Mais je veux tout simplement dire que, il faut apprendre à s'adapter et aussi à comprendre que nos identités également, elles ne sont jamais fixes. Ce n'est pas parce que je suis venu avec mes mêmes choses que je vais toujours rester cette même personne jusqu'à ma mort, etc. Donc, avec les différences qu'on a amenées, on va s'enrichir avec les autres différences qu'on a trouvées ici. Moi, ce que j'aimerais simplement, c'est qu'il y a beaucoup plus d'ouverture et de compréhension de part et d'autre pour qu'ensemble, nos différences deviennent beaucoup plus une richesse que des problèmes entre nous. Merci beaucoup, Amadou. Et là, je rentre la parole sur Goulet. Donc, je relis, à part les enjeux linguistiques, oui, quelles différences culturelles ont dû te marquer? Comme les autres panélistes l'ont dit, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de différences. Il y a les différences raciales, on parle des différences religieuses, on parle des différences culturelles, on parle des différences traditionnelles, on parle des différences dans la façon dont on mange, on parle des différences dans la façon dont on traite et puis qu'on vit au sein, parce que le Canada, par exemple, et Djibouti sont sur deux différentes longueurs d'onde quand ça vient sur ces éléments-là. Mais il reste toujours que le Canada et surtout l'Ontario a toujours été une place où il y a autant de changements qu'on peut en mener. Je me suis toujours senti assez confortable pour contribuer, participer. C'est vrai qu'il y a plusieurs défis auxquels il faut surmonter, mais je pense que si on est capable de, encore une fois, de s'organiser comme communauté, et puis j'insiste toujours sur ça, s'organiser comme communauté, et puis on est capable de s'organiser comme communauté, et puis de prendre et de comprendre que notre force se retrouve à l'intérieur de notre union comme communauté, ben on va avoir une vie beaucoup plus, avec beaucoup plus de succès que si on part tout seul et qu'on essaie de faire face au problème seul. Donc, je vous remercie. Puis là, je pense que ça va être notre avant-dernière question avant de reprendre mon questionnaire parce qu'il me reste encore une autre question. Mais cette question dit, mais quel changement aimerez-vous voir dans le système? Mais donc, dans le système d'éducation pour mieux appuyer les immigrants qui font face à des préjugés de langue et raciaux. Donc, je relis, quel changement aimerez-vous voir dans le système éducationnel pour mieux appuyer les immigrants qui font face à des préjugés de langue et raciaux. Et je pose la question à Mohamed. Les changements désirés, je pense qu'ils sont déjà exprimés. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est tout d'abord la mise en place de quelques programmes qui viendraient définir cette multiculturalité et cette immigration et expliquer le fond historique, le fond socio-culturel de tout ce développement que connaît le Canada. Et ensuite, il y a aussi une volonté du gouvernement qui doit appuyer cette initiative, donner les fonds nécessaires. Subventionner les universités, aider ces programmes à connaître une prospérité et les protéger pour qu'ils ne soient pas du jour au lendemain éradiqués du système d'éducation. Donc, c'est plutôt l'éducation sur laquelle on doit s'appuyer avant tout. Merci beaucoup, Mohamed. Et quant à toi, Tibila? Ben, moi, je me dis que l'éducation est la base de tout. On dit l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Ce n'est pas parce que nous avons acquis des évolutions qu'on ne doit pas. Regardez, on va dire que tout est parfait.
Donc, l'éducation reste la pierre angulaire de la société. Et partant de là, je sais que maintenant, dans le système éducatif, il y a l'étude des peuples autochtones. Mais dans le même système éducatif, il n'y a pas une étude obligatoire pour les peuples noirs ou bien les peuples immigrants. Et ce que j'ai appris, j'ai lu un peu le livre de Amadou Ba sur... attends, je vais voir, le livre est là. Sur l'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada du 16e siècle au 19e siècle ou 20e siècle. Et là, moi, j'ai constaté que les Noirs étaient déjà au Canada avant les Anglais, parce que les Noirs sont venus ici sous l'esclavage depuis des années, qu'ils sont antérieurs par rapport aux Anglais au Canada. Mais parce que là, ils sont venus comme soit des esclaves ou parce que c'était le Canada, la Nouvelle-France en son temps. Donc, cette histoire est oubliée. Aujourd'hui, quand tu dis à un anglophone ou à un enfant ou la communauté blanche ici que les Noirs étaient ici avant les Anglais, ils vont dire, mais lui, il est fou. Mais tout part de l'éducation. Si, par exemple, on met ça, ce système éducatif, et que les élèves apprennent ça dès leur bas âge, oui, les choses vont changer. Mais ici, les immigrants, ils ne viennent pas juste pour... Ce n'est pas des mendiants. Ils demandent juste que... Ils ne demandent pas la charité non plus. Ils veulent juste que avoir les mêmes droits et être respectés quand ils se présentent pour un service ou être traités sur les mêmes pieds d'égalité, les mêmes pieds de chance, les mêmes opportunités que n'importe quelle personne. On ne veut pas du favoritisme. Ils veulent que leurs droits soient juste respectés et qu'on les traite sur les mêmes droits, sur les mêmes longueurs d'onde. C'est tout. Merci beaucoup, Tibila. Et là, je repose la question à Amadou. Quel changement aimeriez-vous voir dans le système d'éducation pour mieux appuyer les immigrants qui font face à des préjugés de langue et ratio? Oui, donc j'appuie fortement ce que dit M. Tibila sur cette question-là. Il y a un certain nombre de choses à faire, notamment une certaine réforme dans le cadre du curriculum, de ce qu'on enseigne aux jeunes. Je suis très content, par exemple, quand je vois depuis 2018, il y a une évolution dans le curriculum de l'Ontario en ce qui concerne l'enseignement de la présence autochtone et les contributions. C'est-à-dire que le curriculum, il est fait aujourd'hui qu'il est impossible que des élèves de la première année jusqu'à la 12e année finissent l'école sans avoir des notions de base sur la connaissance de l'histoire des autochtones et leur contribution dans la société canadienne. Pendant très longtemps, ce n'était pas le cas, mais notre province, puisque l'enseignement est provincial au Canada, a rectifié le tir. Mais ce n'est pas seulement, on ne doit pas s'arrêter là. Donc, moi, mon livre dont Tibila vient de citer, qui retrace une histoire de 400 ans de la présence des Noirs au Canada, elle a sa place dans le curriculum pour deux raisons. D'abord, parce que c'est une communauté importante qui fait aujourd'hui environ 1 300 000, 1 400 000, même taille que les Autochtones au Canada. Mais ensuite, donc, sur la durée, c'est les Autochtones qui sont là depuis des milliers d'années, donc les Européens, Français, Britanniques ensuite, et les Noirs, c'est seulement les quatre communautés qui totalisent 400 ans et plus de présence au Canada. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi dans le curriculum, il n'y a pas de la même façon qu'on accepte cet enseignement d'histoire des Autochtones, aussi faire la même chose pour les Noirs. Je ne veux pas dire simplement le mentionner, mais le faire de façon qu'on nous sera obligés. Parce que l'enseignant, si tu n'as pas enseigné ça, tu n'as pas satisfait tes attentes, par exemple. Donc ça devrait arriver. Et ça doit arriver parce que nous devons être équitables, parce que l'enseignement ne doit pas être discriminatoire. Nous sommes tous des citoyens. Une fois de plus, nous cotisons, nous payons des impôts. Nous avons le droit de revendiquer un enseignement adapté à notre société. Ça, c'est un droit. Mais c'est un droit peut-être que les gens ils ne connaissent pas beaucoup. L'autre chose, c'est que j'aimerais qu'on fasse confiance également aux gens qu'on leur donne le travail qu'ils méritent, qu'on accepte, et puis qu'on n'ait pas de préjugés pensant qu'ils ne vont pas faire bien la job, par exemple. Non, faites confiance aux gens, ils vont faire correctement leur travail. Nous aimerions voir plus de visibilité dans le corps enseignant, dans les écoles, dans les directions, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. En fait, pour conclure, nos institutions sont très en retard par rapport à la réalité, par rapport au visage de notre province et de notre pays.
On voit le pays, on voit la diversité, on voit diverses histoires, mais quand on regarde les institutions, elles sont faites. C'est des institutions héritées du colonialisme, de domination européenne, qui sont encore là pour régler des sociétés dans un Canada mondial, universel, multiculturel. Et ce n'est pas merci adapté. Beaucoup, Amadou. On doit merci beaucoup, Amadou. Merci beaucoup, Amadou. Et là, je repose la question à Goulet. Goulet, c'est la même question qui est posée à toi. Tu veux que je la réalise? Oui, s'il te plaît. D'accord. Donc, quel changement aimeriez-vous voir dans le système d'éducation pour mieux appuyer les immigrants qui font face à des préjugés de langue et raciaux? Donc, un des premiers changements, comme mes autres collègues l'ont mentionné, c'est vraiment de changer le curriculum. C'est-à-dire que le curriculum doit refléter à la réalité du Canada noir. Et puis, l'éducation de toute cette histoire ne peut pas être faite seulement autour des tables pendant le mois de l'histoire de Noir, malheureusement. Donc, on a toujours tendance à penser que le mois de l'histoire de Noir va régler ces problèmes-là, mais ce n'est pas le cas. Donc, ça, c'est la première chose. Mais au-delà de ça, il faut aussi parler de représentation. Comment est-ce qu'on est représenté dans le système éducatif? Quand on regarde les enseignants, il n'y a pas une représentation de la communauté noire. Quand on regarde les directions, il n'y a pas une représentation. L'administration, il manque de représentation. Et ce manque de représentation influence la façon dont les enfants et puis les futurs leaders de notre communauté peuvent s'imaginer ou bien peuvent se retrouver dans la société. Donc, il est important de pas seulement parler de curriculum, mais aussi parler de la façon dont notre communauté se retrouve dans le système. On ne peut pas être seulement relégué à un deuxième niveau, c'est-à-dire nos enfants se trouvent dans nos écoles, mais c'est là où ça s'arrête. On ne fait pas partie du corps administratif, on ne fait pas partie du corps directionnel, on ne fait pas partie du corps des enseignants, et ça doit changer. Et l'autre chose qui doit changer, c'est tout ce qui vient avec les préjugés et puis tout ce qui vient avec les barrières systémiques. Par exemple, à Toronto, là où nous avons une forte communauté noire, que ce soit anglophone ou francophone, on remarque que la plus grande, 88%, la communauté noire à Toronto, mais 80% des enfants qui sont suspendus des écoles sont issus de cette communauté-là. Donc, il y a un débalancement en termes de pourcentage de communautaires et puis le pourcentage dans le milieu négatif. Il est important d'éduquer les gens qui vont éduquer nos enfants pour qu'ils puissent les voir comme des enfants et non pas comme des menaces ou bien comme des gens qui sont ici pour causer plus de problèmes au système. Merci beaucoup, Goulet. Merci beaucoup. Puis vos interventions sont vraiment appréciées. Je vous remercie. Là, je vous repose une question. Et puis, c'est ça, je vais en fait les combiner. Donc, quels conseils donneriez-vous aux immigrants qui arrivent au Canada? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Et puis, en même temps, par ricochet, comment Black Lives Matter peut-elle soutenir les nouveaux arrivants, les immigrants francophones, noirs, noirs de couleur dans le contexte du nord de l'Ontario. Donc, en premier, quels sont les conseils que vous donnerez aux immigrants qui arrivent au Canada et comment Black Lives Matter pourrait soutenir les nouveaux arrivants et les immigrants francophones noirs ou de couleur dans le contexte du nord de l'Ontario? Je pose la question déjà à Mohamed. Tout d'abord, pour répondre à la première question, je dirais que les immigrés devraient, en quelque sorte, avoir une vision préliminaire de la réalité canadienne. Je pense que très peu connaissent que le Canada est réellement un pays où la diversité règne et qu'on doit prendre conscience de cette réalité avant même d'arriver et connaître l'histoire canadienne pour vite s'adapter à la réalité que ces immigrés vont vivre par la suite. Et ensuite, pour répondre à la deuxième question, je pense que le mouvement Black Lives Matter, je pense, pour pouvoir persister et aider cette francophonie, qu'elle soit noire ou d'autres origines, je pense qu'il est nécessaire de promouvoir les,
les événements, comme les événements socioculturels, promouvoir et subventionner toutes sortes d'événements qui seraient là pour soutenir cette société immigrante, par exemple, des événements comme le cabaret africain ou bien à Sudbury même, la levée du drapeau franco-ontarien, par exemple. Donc, c'est plusieurs initiatives qui doivent se jumeler pour donner naissance à un essor réel. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce mouvement-là, ce n'est pas un mouvement qui est simplement à Sudbury, c'est un mouvement mondial qui connaît différents essors partout dans le monde. Donc, il faut créer ces liens-là partout dans le monde pour faciliter l'immigration de ces personnes-là qui viennent ailleurs du monde et qui sont francophones. Je pense que ça, c'est la meilleure idée. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, je lance encore la parole à Tibila. Tibila, quel conseil donnerez-vous aux immigrants au Canada? Et puis, en deuxième, comment Black Lives Matter pourra soutenir les nouveaux arrivants et les immigrants francophones, noirs ou de couleur dans le contexte du nord de l'Ontario? Ben, moi, je trouve que le premier conseil que je peux donner, c'est, comme l'a dit Mohamed, il faut que les immigrants s'informent davantage sur le pays avant d'immigrer. Connaître le pays, connaître les opportunités, ainsi de suite. Il faut aussi que les agences qui font la promotion de l'immigration expliquent réellement les conditions de vie, les conditions de travail, les conditions d'intégration, la culture aux candidats à l'immigration. Maintenant, en ce qui concerne Black Lives Matter, je ne pense pas que Black Lives Matter c'est bien vrai que le mouvement est né à partir du décès de George Floyd, que le mouvement a pris naissance, mais on ne va pas se limiter juste à ça. On peut l'étendre. Ce n'est pas juste la communauté noire qui peut être victime du racisme ou bien de ceci. Je pense que Black Lives Matter est là pour lutter contre l'injustice en général, mais pas juste les noirs ou bien les francophones. Il peut y avoir cette injustice-là au sein de la communauté autochtone ou chinoise ou hindous ou ainsi de suite, qui sont présents au Canada. Mais moi, je pense que c'est cette ouverture-là et que Black Lives Matter et nous tous, en tant que membres de la société, individus, il faut qu'on s'intéresse plus aux problèmes des autres. Que ce ne soit pas juste le problème noir que moi, je vais m'adresser parce que je suis de couleur noire, mais je peux m'intéresser aux problèmes autochtones si un autochtone subit de l'injustice. Je peux m'intéresser aux communautés chinoises si un membre de la communauté chinoise subit des injustices. Donc, il faut être interactif et puis proactif aussi. Il ne faut pas attendre juste qu'un événement se produise pour réagir, mais on peut travailler à anticiper que les problèmes arrivent. Merci beaucoup, Tibila. Merci beaucoup. Et là, je pose la question cette fois-ci à Amadou. Amadou, quels sont les conseils que vous donneriez à un immigrant au Canada? Et puis, comment pensez-vous que Black Lives Matter pourrait soutenir les nouveaux arrivants et les immigrants francophones noirs ou de couleur dans le contexte du nord de l'Ontario? Oui, le conseil que je donne, donc, c'est ce qui a été dit, je suis d'accord avec. Mais il me semble que c'est très important aussi, les gens qui arrivent au Canada, de comprendre que nous sommes dans un système un peu différent et d'accepter au moins de prendre trois au moins, d'avoir un diplôme canadien. C'est important. Je sais que certains arrivent avec une maîtrise, un doctorat, ils ont fait tout un parcours, des expériences de travail et tout. Et c'est difficile d'avoir la motivation, mais c'est important toujours de rentrer dans un système éducatif d'un pays d'accueil pour apprendre, avoir un diplôme, mieux comprendre, pour s'insérer ensuite. Donc, je demanderai à ces gens qui arrivent plus de courage, de motivation et de le faire. Pour s'insérer, sinon on va faire seulement des travaux qui sont mal rémunérés et puis on a des crédits et ça joue sur l'intégration. Un autre élément donc c'est faire comprendre aussi à ces enfants aussi qui sont à eux-mêmes et sont enfants, c'est des Canadiens comme tout le monde. Important. Madou, oui. Il nous reste plus assez de temps. Je ne sais pas si tu veux renchérir sur la deuxième question qui est comment Black Lives Matter pouvait appuyer. Oui, je vais finir avec ça. Donc, le fait de s'affirmer et de s'ouvrir en même temps. Donc, Black Lives Matter, je pense que c'est une très bonne chose, mais
on voit beaucoup d'indifférence, puisque c'est un mouvement qu'on laisse tout simplement à la communauté noire. Il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de soutien. Mais ça aussi, une fois de plus, c'est connecté avec l'histoire, parce que pendant très longtemps, dans ce pays-là, l'histoire des Noirs n'a pas été considérée du tout. Et puis, on a toujours essayé de présenter le Canada comme un pays différent. C'est un paradis contre versus les États-Unis qui étaient l'enfer. Donc, quand tu es au Canada, tu n'as rien à dire. Tu es au paradis, tais-toi. Et ça, à mon avis, on doit le rectifier. Et ce mouvement-là, ça fonctionne. C'est pour l'intérêt de notre pays. Ce n'est pas seulement pour les Noirs. Les Noirs qui sont là, les Autochtones, quand ils travaillent, ils sont bien. C'est le Canada, encore une fois de plus, qui gagne. Ce n'est pas tout simplement eux. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup. Là, je laisserai la parole à Gouled Hassan. Gouled. Donc, pour moi, le premier conseil que je donnerais à des nouveaux arrivants, c'est d'abord de leur dire que leur vie ne va pas être la même que ce qu'ils étaient dans leur pays d'origine. Donc, ça, c'est la première chose. Parce qu'il y a plusieurs qui pensent que la vie va rester la même. Donc, c'est le premier conseil d'accepter que notre vie va changer. Des fois, vers le positif, et surtout d'habitude vers le positif, mais des fois aussi vers le négatif. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de tisser des liens avec les nouveaux arrivants qui étaient là avant vous et aussi avec la communauté d'accueil. Donc, se créer des liens, ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est de chercher les services qui sont offerts aux nouveaux arrivants et d'aller chercher ces services-là parce que ces services-là sont vraiment importants et ils aident les gens à mieux s'intégrer. Donc, ça c'est les trois conseils que je donnerais. Mais pour ce qui est, et puis, pour la deuxième partie de la question, pour BLM, qui date bien avant George Floyd, je dirais que la première chose à faire, c'est de reconnaître qui sont les leaders de la communauté et de tisser des liens avec ces gens-là pour être capable de comprendre les réalités de la communauté des nouveaux arrivants et être capable d'appuyer ce qui se fait déjà sur le terrain. Parce que des fois, on a tendance comme communauté à dédoubler les différentes affaires en créant quelque chose de similaire à ce qui existe. Donc, quand on fait des liens avec les membres de la communauté qui œuvrent déjà dans le secteur, ça aide à développer des services complémentaires au lieu de services similaires. Donc, c'est le conseil que je donnerai. Merci beaucoup. Donc là, moi, je suis très, très, très heureux. J'ai pris le temps de modérer, c'était vraiment une belle partie. Je veux remercier déjà tous nos panélistes, Gouled Hassan, Mohamed, Tibila et Amadou, qui ont pris le temps aujourd'hui un jour de repos pour se présenter ici afin de nous partager un brin de leur histoire, un brin de leur histoire d'informer la population, de sorte que nous soyons plus ouverts à cette diversité francophone et cette diversité canadienne. Mon nom, c'est Moïse Aoui. J'ai pris, comme je l'ai dit, un plaisir. Je vous remercie d'avoir participé. Et je remercie aussi le service d'interprétariat et aussi tous les collaborateurs qui ont permis ce panel aujourd'hui. Sans vous retenir, je vous dis merci et je pense qu'on sera à la prochaine. Est-ce qu'on reste pour le panel qui suit ou bien on va se connecter sur le nôtre? C'est ça. Donc déjà, je laisse la technique prendre contrôle de ce panel. Et puis là, nous, on saura quoi faire. Merci beaucoup. OK, donc je demanderai à tout le monde... On sera connecté. D'accord. Merci à Moïse Zahoui et à tous nos panélistes d'avoir cultivé une discussion assez passionnante. J'espère sincèrement que tout le monde en a joué. Un petit rappel que vous recevrez un questionnaire suite à cet événement. En le complétant, vous courez la chance de gagner un magnifique prix mettant en valeur les superbes œuvres d'art de notre artiste invitée de caucus, Sonia Ekator-Katimi. Suite à une brève pause, nous serons de retour avec Blackademia, Surviving in Higher Education à partir de 15h. Merci encore à nos commanditaires, Collège Cambrian, Association canadienne pour la santé mentale Sudbury-Manitoulin, Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, Centre Victoria pour femmes, Collège Boréal, Galerie de Nouvelle-Ontario, Bibliothèque publique du Grand Sudbury, Université Laurentienne, Santé publique Sudbury et District, Réseau Access Network, Société Alzheimer's, Sudbury Action Center for Youth, Université Thornhill, Département d'études sur femmes, le genre et la sexualité.
Et n'oubliez pas que Je reste ici, baby, n'est pas seulement le titre de l'événement, mais aussi un cri de ralliement pour les communautés marginalisées du Nord de l'Ontario. Nos vies ont de valeur, nous sommes à notre place, nous sommes ici pour rester, baby. Merci de vous joindre à nous, bon caucus et passez une merveilleuse journée.